sank my seals, I broke my chains. There's more to do and I still want to live. I feel your breath upon my neck, a soft caress as cold as death. Futures bound, our bodies know. Your blood like wine, I want it in. Oh darling, get me drunk, invite me. It's not my fault, I'm not to blame. These ain't my sins, I broke my chain. I'll never stop until I'm done. But just tonight, maybe I'll rest in peace. I feel your breath upon my neck, a soft caress as cold as death. So our endings bound, our bodies know. I can't go yet, don't let me die. I want to live, my only one. There's more to do if we can only live. The clock won't stop and this what we bonsoir à tous, comment allez-vous? Hop. La lumière n'est pas très forte. Je vais rapprocher le micro aussi, parce que je ne peux pas parler très très fort. Peut-être monter un peu le gain, on va voir ça. Avec la musique du... Oula, c'est très fort ça par contre. C'est un peu là. Ok. Hop. On est pas mal. Coucou Pika, comment ça va? Je vais augmenter un peu le gain par ici parce que là, vous n'allez pas m'entendre beaucoup sinon. On va tester ça. Test, test. Ouais, c'est un peu mieux. Comment vas-tu, Pika? Tu veux bientôt retrouver ta voix ou pas? Voilà. Ça devrait être mieux. C'est un jour compliqué moralement, mais bien contente que tu streames. Ah, bah j'espère que tu vas pouvoir te changer les idées sur le petit stream qui est là. Je vais baisser un peu le son du jeu encore parce que putain, c'est fort. Alors, normalement, c'est un petit jeu. Il y a trois histoires différentes. Et voilà, il y a des petits choix à faire, etc. Je me suis pas trop renseigné sur le jeu, je vais pas vous mentir. Mais voilà, ça avait l'air tout mignon, tout pipou. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Je suis développeur de jeux. Il y a une game jam aujourd'hui. Est-ce que c'est une game jam? Attends. Ah oui, désolé, hein, ça... Si je change...
Juste tester un truc. Et si ça marche, verbi. Une game jam, bio-aventure créative où des pirates comme nous créent des jeux en un temps limité. C'est une course contre la montre pour hisser les voiles de la créativité, d'accord? C'est trop bien, j'adore cette IA, elle est trop bien. Par contre, est-ce que je peux baisser la musique encore? Parce que je sais pas pour vous, pour moi c'est très très fort, voilà. N'hésitez pas à me dire. Sur le retour, ça a l'air pas mal niveau son maintenant, mais je fais de la merde. Voilà. Mais lui, c'est trop top. Et apparemment, Pika, si ça t'intéresse, le bot apparemment est disponible maintenant en public et plus en premium, parce que tout à l'heure, il était. Le bot était chez Elodie. Donc voilà. On a été remplis d'aventures. D'aventures en mer, pardon. Et oui, parce que tout à l'heure j'ai dit un truc sur le live d'Elodie, parce qu'elle a eu un raid de bot, et du coup j'ai juste écrit dans le chat, je crois qu'avec Wisebot tu peux dénoncer le raid, et genre Wisebot, j'ai même pas tag Wisebot ni rien, il m'a répondu direct, oh un raid de bot, je m'en occupe et tout, et du coup je lui ai dit bah merci Wisebot et tout, c'était très drôle du coup, parce que t'avais même pas besoin de le ping, et du coup je sais pas si, parce que moi dans mon chat à moi, Wisebot c'est Alpha en fait. Du coup je sais pas si j'ai besoin de ping ou pas, je sais pas. Mais bref. Je suis développeur de jeu, il y a une game jam aujourd'hui. Une game jam, oh bah, est un événement lié au monde du jeu vidéo. Les participants ont 48 heures pour créer un jeu sur un thème donné. Il arrive parfois, avec un peu de chance, qu'on puisse faire équipe avec des filles. Okay. Mais ce n'est cependant pas le cas de notre équipe. L'événement commence vendredi après-midi. La plupart des équipes passeront la première nuit à concevoir leur jeu. Tout s'est bien passé avec notre équipe et nous avions déjà une idée de jeu. Je prends donc une pause pour aller jeter un œil aux alentours. Je la remarque. Son équipe est à côté de la nôtre. Ils semblent débattre intensément. J'entends l'un te dire. On fait une pause et on réessaie dans 10 minutes. Ses collègues quittent leur siège, la laissant seule à écrire ses notes. Mais du coup, je pense qu'il faut le régler et tout, Pika, mais oui, ça a l'air pas mal. Je me dis que c'est l'occasion de lui parler. Et après, il parlait normal comme d'habitude sur le chat, en déconnant et tout, donc c'était plutôt pas mal. Je me dis que c'est l'occasion de lui parler. Je vérifie mes cheveux et mes habits avant d'aborder le meilleur des sourires. Je m'avance vers elle, en restant le plus naturel possible. Ok, voilà, donc on a des choix. Salut, je m'appelle Machin. Est-ce qu'on peut être amis? Est-ce que tu aimerais connaître notre idée? Non, on va déjà se présenter. Elle semble embarrassée, mais reste polie et se présente aussi. Salut, je m'appelle Machin. C'est vraiment pas du tout de présentation ni rien. Il n'y a pas de vrai prénom. Une fois la game jam terminée, je l'ai retrouvée grâce au groupe WeChat de l'événement. Bien que légèrement embarrassés au départ, nous sommes vite devenus des amis de correspondance, partageant nos secrets et nos sentiments. Mes amis m'ont dit que même en n'ayant rien gagné à la game jam, je restais un gagnant. Je ne peux pas leur donner tort, je suis tellement content de l'avoir rencontré. 2 semaines plus tard, nous discutions sur WeChat. Et je réfléchissais à quand lui demander de sortir au cinéma et aller manger ensemble. Mon chef me passait un savon aujourd'hui. J'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Je n'aurais pas dû être réprimandé. Alors. Sympa le prénom, t'as vu? Sympa. Alors, soit on lui dit ton chef profite de toi, ou ce n'était qu'un malentendu. Non, on va aller dans son sens. Ton chef profite de toi. La photo de profil. Et tu endosses la responsabilité de ses erreurs. Ce sera toujours comme ça. Ce n'est pas la peine d'être contrarié pour ça. Il y a autre chose. Aucun de mes collègues ne me soutient. Voilà à quel point ils sont loyaux. Personne n'a envie de mettre son chef en colère. Il n'a peut-être pas vraiment compris ce qui était arrivé. Non, je pense qu'ils ont pas envie de se mettre le chef à dos.
Personne ne veut affronter son chef. Tout le monde a quelque chose à se reprocher. Je me sens toujours aussi mal. Est-ce que ça dirait qu'on sorte ensemble ce week-end ? Je suis sûr qu'on passera un bon moment. D'accord. Oh, ça va, elle a dit oui. On pourrait regarder un film. Ah là là. Alors, soit un film d'action, Steelman, Spoiler Girl, Got Luck, comédie romantique, ou un film d'horreur. Vous voulez qu'on regarde quoi ? Je vous laisse le choix. Parce que là, en vrai, tout me va. T'as la bouillotte, elle est bouillante pour le coup. Un film d'action. Putain, je vais y arriver. Je pense que ce film pourrait être intéressant. D'accord. On se voit ce week-end. J'ai déjà acheté les places de cinéma. Je devrais peut-être trouver un bon restaurant dans les environs du cinéma. C'est jamais trop préparé pour un rendez-vous. Je devrais essayer de trouver le plus possible. Mini-jeu. Clique sur le bon restaurant pour l'ajouter à tes favoris. Évite les mauvaises adresses. Prépare-toi pour ton premier rendez-vous. Let's go. Ok. Ok. Oh putain, ok. J'étais pas prêt. Je savais pas ce qu'il allait me... Allez. Je le mets alors que... J'arrive pas à cliquer. Ah oh, putain, ok. Ok. Il y a des notifs et tout qui m'arrivent dessus. Là, il y en a deux. Oh putain, c'est bâtard par contre. Pour moi, c'est celui-là et celui-là. Oh putain. Let's go, on a fini. Je pense que je peux en trouver d'autres. Je pense que ce sera suffisant. Bah, c'est bon. On va pas faire le chouquin soi non plus. Maître Gourmet, j'ai débloqué un petit succès. Le jour J est enfin arrivé. Merci. C'est la première fois que je suis assis à côté d'elle. Je ne peux pas m'empêcher d'être nerveux. Je n'arrête pas de me répéter, de me calmer et de me concentrer sur le film. Le film se termine et nous restons assis jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Le film était plutôt intéressant. C'était pas mal. Ah, ça lui a peut-être pas plu. Et maintenant ? Je connais un bon restaurant, pas très loin. Alors, on mange soit une fondue, soit la cuisine d'Asie du Sud-Est. Mais comment ça ? Vas-y, sushi, j'ai trop envie de sushi en ce moment. Bien sûr, je ne suis pas difficile. Ah, ça lui a peut-être pas plu. Désolé. Elle aurait pu choisir aussi, là. La lumière de la lune donne à son visage une lueur argentée. Je peux entendre les battements de mon cœur pendant que je la regarde. Nous sommes de plus en plus proches et nullement besoin de parler. Nous nous comprenons déjà. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses à ajouter. Oula, oui, carrément. Soit je t'aime. Est-ce que je peux te tenir la main ? La lune est si belle. On va lui demander... Oula. Cette nuit-là, nous sommes tombés amoureux. Voilà. Ok. Nous nous parlons beaucoup. Toujours de choses que nous avons en commun. Impatients de mieux nous comprendre, nous voulons partager dans le cœur de l'autre. Je dois y aller. Au revoir. C'est trop chou. Oula. Ouf. Oh, la première embrouille, let's go. Vas-y, on a des arguments, là. Oui, c'est très chill. C'est pour ça que... je pense que la semaine prochaine, je fais à peu près les mêmes horaires, mais on repartira sur notre let's play. Mais en vrai, j'avais ce jeu-là. Je me suis dit, bah vas-y, vu que je fais la nuit et que comme ça m'évite
Voilà, de streamer trop tard aussi, parce que je sais qu'il y a grand monde le soir. Elle aime encore me parler de ses petits problèmes quotidiens comme si elle le faisait avant. Je pense qu'une fille intelligente comme elle devrait pouvoir régler ses petits problèmes toute seule. Et pourtant, elle semble toujours la contrarier. Mon chef m'a passé un savon aujourd'hui. Encore ? Mais putain, change de taf. J'ai fait juste ce qu'il m'avait demandé, je n'aurais pas dû être effrayante. Encore. Ton chef profite de toi, ce n'était peut-être qu'un malentendu. C'est la même discussion, bah, je maintiens. Ton chef profite de toi. Et tu endosses la responsabilité de ses erreurs, ce sera toujours comme ça. C'est exactement la même discussion. Et il y a autre chose. Aucun de mes collègues ne me soutient. Je maintiens, je... Il y a trop bizarre de changer de discours, non ? Enfin, je veux dire... Je suis pas sûr qu'elles soient convaincues par... Oula ! Ok. Lorsque vous vivez ensemble, vous commencez à avoir certains défauts que vous n'aviez pas remarqués au début. Les problèmes finissent toujours par arriver dans les couples. Soit je m'incline, soit c'est elle. Il n'y a pas d'autre choix, n'est-ce pas ? À mon retour du travail, elle était en train de regarder sa série coréenne préférée. Il y avait boîtes de nourriture vides et des mouchoirs partout. Je suis épuisé, je vais faire comme si je n'avais rien vu. Bon, j'imagine que je vais devoir ranger tout ça moi-même. Pardon. Je sais pas, en vrai, la chill, elle est contente sur son truc pour la ranger plus tard quand elle aura fini, quoi. Vas-y, on va faire semblant d'avoir rien vu. Le temps passe si vite, ça fait déjà 3 ans qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés lors de la Game Jam. En fait, j'avais déjà remarqué que tu me regardais avant que tu ne viennes me parler. Pour être honnête, je ne me suis pas senti à l'aise quand tu es venu me parler la première fois. Tu aurais dû agir plus naturellement. Après ça, on a commencé à se parler de plus en plus. Peu à peu, tu es devenu celui à qui je parlais le plus. Tu te souviens encore de notre premier rendez-vous ? J'étais confuse parce que je ne t'ai pas vu préparer quoi que ce soit pour notre rendez-vous comme un saint. Alors j'ai pensé que tu ne t'intéressais plus, que je ne t'intéressais plus. Bah, on avait remis du jeu pour trouver un resto, wesh. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est tenu la main ? Je me suis dit à un moment pareil, je n'aurais fait que ruiner la soirée si j'avais parlé. On a eu plus de temps pour apprendre à nous connaître ensuite. On a parlé des loisirs qu'on avait en commun et partagé tout ce que nous avions à dire sur nos vies. Mais nos discussions n'ont fait qu'effleurer la surface. Je vais toujours partager des pensées plus profondes avec toi. Même si on passe des bons moments ensemble, on arrive quand même parfois à se disputer. Tu es tellement têtu quand on se dispute. Et je ne veux pas toujours être la première à m'excuser. Ce qui nous amène à nous disputer pour des broutilles. J'espère que tu seras toujours là pour m'écouter. Je ne devrais peut-être pas me mettre en colère pour des petits tracas. Parce que je sais que je peux les gérer. Et pourtant, j'ai toujours envie que tu restes à mes côtés, à m'écouter, à partager mes sentiments. Je veux que tu saches que j'ai besoin de plus qu'un simple conseil. Comme la façon dont les gens traitent leur travail. Personne n'est parfait. Je pense qu'aucun de nous ne devrait céder face à l'autre. Parce que des concessions à sens unique ne peuvent pas durer éternellement. Mais j'aimerais que parfois, tu tolères mes problèmes. Elle est vraiment en train de nous quitter là ? Est-ce que cette lettre t'a effrayé ? C'est la première fois que je partage mes sentiments comme ça. Et ce sera la première fois, et la dernière fois. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Et pourtant, je ne regrette rien parce que j'ai appris tellement de choses. Je te souhaite le meilleur. Adieu. Ok. Alors, je sais qu'il y a plusieurs fins. On peut essayer d'avoir une autre fin, si vous voulez. Je sais qu'il y a 3 fins différentes. Bon, attendez, on va essayer de faire d'autres choix. Je suis développeuse. Non, je passe du coup, blablabla. Je vais pas passer 3 heures non plus dessus. Du coup, on va faire l'autre. Hein. On va faire vraiment des choix totalement différents, pour le coup. Elle semble embarrassée, mais écoute tout de même notre idée. Pas mal. Mais je suis nulle en relation. J'ai trouvé nanana.
Partager nos secrets, ok, ça on l'a eu. Ok. On va lui dire l'autre truc, hein, du coup. C'est peut-être qu'un malentendu. Peut-être que ton chef n'en avait pas l'intention. Tu devrais essayer d'aller de l'avant. Il y a autre chose. Aucun de mes collègues ne me soutient. Ils n'étaient pas impliqués. Ils ne savent peut-être pas ce qu'il s'est passé. Je me sens toujours aussi mal. Vas-y, on va sortir avec elle. Je peux cliquer sur Twitter. Oh, attendez. Je dois aller voir ça. Oh, mais attendez, putain. Mio, mio. Attendez, on va la stalk. Il faut qu'on retienne ça. Ça se trouve, il y a dans les propositions de films. J'ai dormi toute la journée après avoir veillé toute la nuit. Bah, attendez. Sherlock, Home 4. C'est ça, non? On n'avait pas ça tout à l'heure, on n'avait pas? Si. On n'avait pas genre que ces trois trucs-là? Putain, il y a des trucs, attendez, qui apparaissent en fonction de... J'ai dormi toute la journée après avoir veillé toute la nuit. Une bonne fondue me ferait du bien. Putain, j'ai pas été sur son Twitter, je suis une merde. On m'a dit que je devais écrire quelque chose, alors j'ai écrit ça, il y a quelque chose, j'ai le cafard. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais oui, il faut choisir la fondue et choisir du coup ce film-là. Bien que plus personne n'écrive de lettres de nos jours, je pense que ça reste tout de même romantique. J'ai enfin trouvé le chat dont je rêvais, et j'ai acheté un S, trop contente. J'ai passé le week-end à écrire et à peindre. Mais en fait, je pensais que c'était du décor, je pensais pas que je pouvais cliquer dessus. 5 épisodes d'affilée, éloignez-moi de Netflix. J'ai préparé le repas aujourd'hui, ça faisait tellement de temps, j'avais presque oublié ce qu'on faisait. Ok. Bon, allez hop, on part là-dessus. Ouais. En réalité, j'adore. Ah, j'ai lu tous les romans et j'ai vraiment hâte de voir le film. Bah, let's go. Voilà, c'est totalement différent. Allez, la stalk un peu, là. J'ai acheté des places au cinéma. J'ai oublié que j'avais déjà trouvé de bons restaurants la dernière fois. Je devrais peut-être choisir parmi ceux-ci. Je veux recommencer. Vas-y, on va rejouer. Parce que tout à l'heure, elle a dit qu'on s'était pas, on n'avait pas cherché tant que ça. Qu'on va rejouer. Non, c'est juste. Allez, dépêchez-vous s'il vous plaît. C'est dur. C'est bon, on a géré. Bah, du coup, je pense que ce sera suffisant. C'est bon, on a joué deux fois. Jour J est enfin arrivé. C'est la première fois que je suis assis à côté d'elle. Nanana, je n'arrête pas de me répéter, de me concentrer sur le film. Le film se termine, nous restons assis jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Le film était plutôt intéressant. C'était génial, même si ça diffère de l'œuvre originale. Je peux cependant affirmer que le réalisateur y a mis tout son cœur et essayé de faire en sorte qu'on ressente la même chose. Merci. Et maintenant, je connais un bon restaurant pas très loin. La fondue. Let's go. Super! Comment est-ce que tu as su que j'aimais les fondues? Voilà, parfait rendez-vous, j'ai débloqué le succès, let's go. La lumière de la lune donne à son visage une lueur argentée. Je pense entendre les battements de mon cœur pendant que je la regarde. Nous sommes de plus en plus proches et nous n'avons besoin de parler. Nous comprenons déjà. Je pense pas qu'il y ait autre chose à ajouter. Ça l'a mis mal à l'aise, je t'aime, je passe un peu violent pour un premier rendez-vous, je dirais. Je partirai plus sur la lune. Ça lui a pas plu non plus.
En vrai, dans sa lettre, elle nous a dit qu'elle aurait aimé qu'on parle pas à ce moment-là, mais il n'y a pas la proposition donc. Parlons beaucoup. Toujours de choses, nanana, patient, mieux nous comprendre. On peut y aller. Au revoir. Ouais, la dispute. Ok. Passer sur le chef profiteur, on va changer, hein. Parce que dans ce moment, on va essayer de faire l'autre choix, mais. Ok, c'est la lettre. Le temps passe si vite, ça fait déjà 3 ans qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés lors de la game jam. En fait, j'avais déjà remarqué que tu me regardais avant que tu ne viennes me parler. Pour être honnête, je ne me suis pas senti à l'aise quand tu es venu me parler la première fois, tu aurais dû agir plus naturellement. Comme ça n'a pas changé. Après ça, on a commencé à se parler de plus en plus. Et peu à peu, tu es devenu celui à qui je parlais le plus. Tu te souviens encore de notre premier rendez-vous? On a regardé mon film préféré et tu m'as préparé une fondue pour le dîner. Je n'aurais jamais pensé que tu serais autant préparé pour notre rendez-vous. C'était vraiment attentionné de ta part. Tu te souviens de la première fois où on s'est tenu la main? Je me suis dit à un moment pareil, Ben, du coup, quand c'est rouge, c'est pas bien. Je n'aurais fait que ruiner la soirée si j'avais parlé. On a eu plus de temps pour apprendre à se connaître ensuite. On a parlé des loisirs qu'on avait en commun et partagé tout ce que nous avions appris sur nos vies. Mais notre discussion n'a fait qu'effleurer la surface. Je veux toujours partager des pensées plus profondes avec toi. Même si on passe de bons moments ensemble. Et du coup, s'il n'y a rien qui a changé, je vais peut-être mettre un truc en colère pour les petites vacas. Mais il n'y a qu'un seul truc qu'on a réussi, quoi. Bon. Mais je sais pas. On va faire le deuxième du coup. Amour à distance. Attends, qu'est-ce que quoi? Découvre d'abord au moins 2 fins. Mais comment ça? Vas-y, on a fait de notre mieux. Bon, alors il y a des trucs qu'il faut que je trouve dans le décor, je sais pas. Ça réagit. Le thème est plutôt intéressant cette année, non? Ok, putain, mais ok. Ouais, l'homme et la femme sont indissociables. Je pense que ça implique quelque chose à propos de l'amour. Ok, ça va, on a réussi du coup. Ouais, ça va quand même, mais c'est parce que j'ai merdé. Attends. J'interagisse avec le décor, en fait. Un jeu qui parle d'amour, j'aime ça, et j'ai le sentiment que cette image a aussi une autre signification. Quelque chose comme les choses ont toujours 2 facettes. Ouais, c'est ce que je pense aussi. On pourrait peut-être intégrer l'amour dans notre jeu. Je pense que ce serait intéressant. Je suis sûr que ça le sort, et on pourrait... Nous avons longuement parlé de notre idée, mais ses collègues ne l'ont pas adoptée, et elle a été abandonnée. Je ne l'ai découvert que plus tard, après qu'elle m'en ait parlé. Ok, on a eu un succès. Ok. Est-ce que son Twitter a changé? Je sais pas si le week-end a écrit à peindre. Donc, du coup, je passe. Après, on lui propose, voilà, de... Le chef, je sais pas quoi lui dire avec le chef. Hein. J'y trouve un truc. Attendez, on peut mettre des gemmes là.
J'ai dormi toute la journée après avoir veillé toute la nuit. Une bonne fondue me ferait du bien. J'ai dit que je devais écrire quelque chose, alors j'ai écrit ça. Super. Journée d'apprentissage. Parce que je sais pas quoi lui répondre pour son travail. Hein. 5 épisodes d'affilée. J'ai préparé le repas aujourd'hui, ça faisait tellement longtemps que je l'avais presque oublié comment on faisait. Bon. Si je vais repartir sur le son chef profite d'elle. Je vais repartir là-dessus, hein, parce que je vois pas quoi lui répondre d'autre. Voilà. Allez, let's go, allez, emballer. Bon, on va passer le mini-jeu, hein, du coup. On a déjà fait. Attendez, il y a peut-être des éléments de décor à... Parce que là, il faut qu'après on lui tienne la main, là, c'est... J'ai merdé à chaque fois, donc il y a... d'autres choses. Elle est contente du film, blablabla, ok. On part sur la fondue. Il n'y avait rien. Oh putain, ok. Je pense qu'il faut juste que je lui tienne la main. Parler ne fera que ruiner l'ambiance. Cette nuit-là, nous sommes tombés amoureux. Mais là... Succès ne gâche pas tout. Bon alors là, attendez, il faut qu'on... Ok, il y a plein de trucs. Nous parlons beaucoup. Toujours des choses que nous avons en commun. Impatient de mieux nous comprendre, blablabla. Comment ça, je dois y aller Les jeux vidéo sont un art interactif, ok. 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 Oh putain, faut que je fasse des... Ok, la musique peut apaiser mon esprit. Je rêve de jouer de la guitare sur la... Ok, putain, j'ai... Le chat avec le chat. Les chatons sont tellement mignons. Les chats ont un pouvoir de guérison. Ok. Déjà, on a parlé. Donc, il n'y a plus rien, je crois. Au revoir. La fameuse dispute. Est-ce qu'il y a autre chose à faire par ça? Ah mais, ok, il fallait pas rajouter deux mots plus haut que l'autre, putain. Oh, c'est trop bien, j'aime bien le jeu. Abstention, oui, du coup, on n'a pas dit des mots qui sortaient de notre pensée, ok. Est-ce que là, il y a des choses à cliquer dans le décor ou pas? Il y a l'air de rien avoir. Après, il y a toujours l'histoire de son taf, hein. L'histoire de son taf, c'est un peu ma bête noire, Je sais pas quoi lui dire. Y'a rien. Le chef me passait un salon, ouais. Je sais pas quoi faire avec son taf, putain. Rien, littéralement rien.
peux essayer de changer, mais... J'ai pas l'impression que ça peut très bien me passer là. Voilà, c'est pareil. On a le choix entre deux trucs. Je peux interagir avec rien du tout. Là, vous devez entendre cliquer dans tous les sens là. Ah si, ok. Allez, let's go. Tu as l'air fatigué, je vais te reposer, je vais m'occuper de ça. La relation devrait être basée sur une compréhension mutuelle et non pas changer ce que nous sommes. Elle ne peut durer dans un respect mutuel. Elle ne peut durer. Ok, c'est bon, la concession, on a réussi. Ok. Le temps passe si vite, ça fait déjà 3 ans qu'on s'est rencontrés. Il n'y a que son travail en fait où on a merdé entre guillemets, parce que je sais pas quoi faire. En fait, j'avais déjà remarqué que tu me regardais avant que tu ne viennes me parler. Et ça, c'est validé. Comme il s'agit de jeu, on peut en parler des journées entières, en commençant par évoquer le thème de la game jam. On continue à discuter encore et encore. Ça, on a commencé à se parler de plus en plus. Tu es devenu celui à qui je parlais le plus. Tu te souviens encore de notre premier rendez-vous? On a regardé mon film préféré. Et tu m'as préparé une fondue pour le dîner. Je n'avais jamais pensé que tu te serais autant préparé pour notre rendez-vous. C'était vraiment attentionné de ta part. Tu te souviens de la première fois où on s'est tenu la main? C'était une magnifique soirée. Tu m'as délicatement pris la main. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti. On a eu plus de temps pour apprendre à nous connaître ensuite. On a parlé des loisirs qu'on avait en commun et partagé tout ce que nous avions de nos vies. Ouais, ça par contre... Mais nos discussions n'ont fait qu'effleurer la surface. Je veux toujours partager des pensées plus profondes avec toi. Ça, j'ai merdé. Même si on passe de bons moments ensemble, on arrive quand même parfois à se disputer. Heureusement. La dispute est gérée. On arrive toujours à se pardonner. Ces disputes nous rapprochent et nous permettent de nous connaître encore plus. J'espère que tu seras toujours là pour m'écouter. Oui, ça par contre, les problèmes du taf, j'ai pas réussi. Je ne devrais peut-être pas me mettre en colère pour tes petits tracas parce que je sais que je peux les gérer. Et pourtant, j'ai toujours envie que tu restes à mes côtés, à m'écouter et à partager mes sentiments. Je veux que tu saches que j'ai besoin de plus qu'un simple conseil, comme la façon dont les gens traitent leur travail. Personne n'est parfait. Mais je suis heureuse de voir qu'on arrive à équilibrer notre relation. Parce qu'on sait tous les deux que c'est le meilleur moyen de la faire durer. Elle n'est pas partie! C'est la première fois que je partage mes sentiments comme ça. Je souhaite juste que tu te préoccupes de ce que je ressens. J'espère que nos 3 prochaines années seront les meilleures. Joyeux anniversaire. Bon, c'est pas parfait. Mais on a réussi au moins à avoir un truc. Donc c'est plutôt nice, on peut passer à la suivante. J'aime beaucoup le jeu, franchement c'est très chill, très très pipo. Tu t'appelles Stan, ils ont un prénom. Et tu es né dans une ville située plus au sud. Ton père y était le propriétaire de la seule entreprise de réparation d'électroménager. Les grandes télévisions n'étaient pas monnaie courante. En ville et tu étais plus jeune. Les enfants qui n'avaient pas de grande télé aimait venir devant chez toi pour regarder les dessins animés sur la télé de ton père. Et une petite nouvelle est apparue ce jour-là. Tu l'as remarquée à cause de ses vêtements. C'est une citadine. Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur la télé, elle était assise seule à côté de la radio à écouter la musique. Plus tard, tu as appris que c'était de la musique classique. Est-ce qu'on peut interagir avec des trucs ? Elle fait de la peine à voir toute seule dans son coin. Peut-être à kiff, hein? Ok. Dis, pourquoi tu ne viendrais pas regarder à la télé avec nous? Non, je préfère écouter ça. Ses yeux n'ont jamais quitté la radio. Mais on ne peut pas venir écouter avec elle? Ok.
Alors que je connais les mécaniques, Clara, let's go. Je m'appelle Stan. Comment tu t'appelles? Grace. Je m'appelle Grace. Je pense là, on a mis un bon petit point. Il s'avérait en fait que les parents de Grace étaient les professeurs arrivés en ville récemment. Ils avaient emménagé à quelques maisons de la tienne quelques jours auparavant. Grace et toi devinrent bientôt de bons amis. Vous êtes allés à la même école primaire. Vous faisiez les trajets scolaires ensemble tous les jours. Il y a une boutique de saucisses grillées près de l'école qui était toujours prise d'assaut par des dizaines d'élèves. Ok. Vous y alliez tous les jours, mais elle semblait pas du tout intéressée. Tenez votre saucisse. Je crois que j'ai merdé un truc là. Non, arrête-toi, stop. Pas de réduction. Merde. J'aurais dû pas acheter ma saucisse et acheter ça. Mais putain, achète pas la saucisse. J'en peux plus. On peut pas casser la tirelire là. La souris qui va vers la saucisse, c'est une dinguerie. Ok, si je clique là. Pas de réduction, d'accord, mais Et je peux pas acheter même si j'achète pas de saucisse. Ah non, faut que j'économise. Putain, attendez. Ça va être long. Mais comme j'ai pas réussi à économiser à chaque fois, là... Ok, j'ai une pièce, c'est bon. T'as vu la souris qui part vers les saucisses, là? On peut l'acheter avec deux pièces. Ça pour lire. Ok. Qu'il ronçonnait quand même. On peut l'acheter. Merci. C'est pour toi. Merci. Peu de temps après, ses parents lui ont acheté un vrai piano. Et depuis, elle ne venait pas souvent avec nous, même les week-ends. Tous les jours ou presque, elle rentrait directement chez elle pour s'exercer au piano. On pouvait l'entendre depuis la porte du jardin. Et
L'écoutant, tu imaginais le visage radieux qu'elle avait en évoquant un piano. À ce moment-là, tu ne savais toujours pas comment décrire ce sentiment. Ça pourrait ressembler à de l'envie ou de la nostalgie. Peut-être parce que Grace a trouvé ce qu'elle voulait faire, tu aimais aussi avoir quelque chose à faire. Tu as commencé à essayer de réparer des petites choses après l'école. On a des tonnes de rebuts, tu peux en faire ce que tu veux, a dit ton père. Tu as fini par trouver intéressant le fait de t'amuser avec ces machines et ces objets électriques. C'était vraiment agréable, cette sensation d'avoir réussi à réparer quelque chose. Le dernier été de l'école primaire, elle t'a soudainement appelé en te disant que son métronome était cassé. Et salut Scar, comment ça va? On va bientôt passer au collège. Oui. Mais il n'y en a qu'un en ville. Ne t'inquiète pas. Même si on n'est pas dans la même classe, on arrivera bien à se voir. Oui. Mon bébou. Écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Mais je sais pas réparer un truc comme ça, moi. Je vous avoue. On dirait que quelque chose est coincé. Je vais chercher un tournevis. D'accord. Ça va bien, c'est un jeu chill là, c'est un petit jeu sympa, c'est tout mignon. Au fait, oui. Oula, elle a pas l'air bien. J'aimerais aller à l'école de musique. Ah. Absolument pas ce que je fais. Ça a marché. Oh, bon, je l'ai réparé son truc. Tu aimes vraiment jouer du piano, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore vu jouer. Les traductions ont un peu éclaté. Hein. Est-ce que tu le ferais pour moi? D'accord. On va jouer ensemble, je vais t'apprendre. Elle est trop mimi. C'est une chanson, que je joue très souvent. Peut-être que tu l'as déjà entendue. Tu t'occupes de cette clé et je m'occupe du reste. Oula, putain, faut que je travaille. C'est toi qui commence. Ok. C'est ne t'inquiète pas, on va recommencer. Tu t'occupes de cette clé, je m'occupe du reste, mais... Ok. Bah oui, non, mais comment tu veux que je sache quand cliquer, en fait? Tu t'occupes de cette clé, je m'occupe du reste. Mais... vous avez vu un truc s'afficher, quelque chose? Tu as oublié la mélodie, ne t'en fais pas, je vais la rejouer, écoute bien. Non mais je vais jamais y arriver. Hein. Allez, de secours. Tu t'en souviens? Allez, on est... Putain, quoi ça? Elle va me gaver. Ok. Je sais pas quand cliquer. Hein.
Elle me saoule, elle me saoule. Oh putain, l'écran c'est machiné. Attendez, j'avais pas vu. Ok, bon, si l'écran s'allume, ça va. Je vais gérer. L'écran s'allume pas, putain, j'en peux plus. Mais moi, j'ai pas du tout l'oreille musicale, genre vraiment, je... Vraiment. Je suis... Enfin, la musique, c'est vraiment sous la douche ou dans ma voiture, quoi. C'est vraiment... Et encore... Je pourrais totalement vivre sans musique. Hein. M-Gab. Il n'y a pas moyen de passer ça. Mais je m'en souviendrai jamais. C'est passé tout à l'heure. J'en peux plus. Si je mettais un espèce de timer, mais... Et surtout que je peux même pas la réécouter avant, il faut vraiment que je merde plusieurs fois. T'avais pas moyen de passer et faire quelque chose? Ah, merci. Non, j'ai merdé, excusez-moi. C'est moi le timer. Vas-y. Ça va, ils ont été gentils, mais putain, il a fallu 15 000 essais quand même. Oh! Ils nous ont fait un bisou! Alors que la dernière note s'étouffait, elle t'embrassa tendrement sur la joue. Putain, merci le jeu quand même d'avoir fait un timer. Hein. Tu n'as pas eu le temps de réagir. Ni face à ce qu'elle venait de faire, ni à la séparation que tu allais devoir affronter. Putain, l'angoisse, désolé, hein, mais moi je suis vraiment pas l'oreille musicale. Tu pensais que Grace et toi seraient toujours dans la même école, que vous seriez toujours ensemble. Évidemment, cette façon de penser était celle d'un enfant. En fait, sa ville n'était pas si éloignée. Cependant, pour un enfant comme toi, cette distance était suffisante pour te séparer de Grace, pardon. Après être entré au collège, Grace et toi avez eu vos téléphones portables. Est-ce qu'on peut interagir avec des trucs? Ça n'a pas l'air pour l'instant. Tu ne peux pas te reposer que sur ça pour rester en contact avec les autres. Ok. J'ai pas mal de choses à faire, je dois y aller. Ok. Tu reviens quand en ville? Je ne sais pas trop. Peut-être aux prochaines vacances d'été. Tu connais Triple D'Or? Tout le monde a lu le roman dans mon école. L'auteur est un lycéen, tout comme nous. Non, je n'en ai jamais entendu parler. Comment tu crois qu'on sera quand on rentrera au lycée? Je ne sais pas vraiment.
Tu as entendu parler de la chanson de Jay-Chou? Non, il chante bien. Il est génial, ses chansons ont leur propre style, et c'est vraiment unique. Alors vraiment, j'essaierai d'écouter alors. Oui, tu me diras celle que tu préfères. Ok, il a écouté Jay-Chou. Nice. Tu reviens en ville cet été? Ah, du coup, 2 ans plus tard, putain. Je dois rentrer dans ma ville natale avec mes parents cet été, désolé. Mon père a créé une petite entreprise d'électronique afin d'aider l'usine d'électroménager à fabriquer ses circuits imprimés. Donc maintenant, j'apprends à en créer, et c'est intéressant. Donc tu vas devenir ingénieur, c'est super. Tu t'en sors bien aussi. Moi, tu es musicienne. Et qu'est-ce que tu veux dire par au moins? Je m'ennuie vraiment en cours. Pourquoi une future pianiste comme moi doit-elle apprendre la physique? Tu as tout à fait raison. Pourquoi est-ce qu'un futur ingénieur devrait connaître les noms des anciens rois? Lol, tu marques un point. Tu as le jeu Snake sur ton téléphone, sur ton portable, pardon? Bien sûr. C'est quoi ton meilleur score? Environ 2000 et toi? À peu près comme toi. Il y a un gars ici qui dit que son meilleur score est de 20 000 points. Je ne pense pas que ce soit vrai. Ok. 2005, l'année d'après. Mon père m'a acheté un nouvel ordinateur il y a quelques jours. Je sais, c'est pouvoir jouer à Warcraft 3, le jeu auquel jouent tous les garçons, c'est ça. Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses Warcraft 3. Mais non, mon père m'a demandé d'essayer de coder le microprocesseur. Comme un programmeur, tu veux dire? Alors tu peux me créer des jeux? Pas vraiment. Je ne sais pas ce genre de... Je ne suis pas ce genre de programmeur. De quel genre alors? Le nouveau livre, Anne, Emmett et Chang est sorti, tu l'as lu? Non, pas encore. Tu as entendu Lofcu à la radio? Non. C'est vraiment amusant. Écoute au moins une fois, je suis sûr que tu riras. C'est si amusant que ça? Je ne te garantis que tu vas t'amuser. D'accord, j'écouterai. Attends quoi? Tu me manques. Lis à l'envers. C'est amusant. Tu n'as rien ressenti? Eh bien, je dirais que c'était pas mal. Mon père a l'intention de déplacer l'usine en ville. C'est bien. Au fait, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? 2006. Je crois que je ne suis pas en forme en ce moment. J'ai l'impression de ne plus progresser. Et donc tu vas abandonner? Jamais! Tu sais très bien que je n'abandonnerai jamais. Exact. Je le sais aussi bien que toi. Continue à travailler dur et tout ira bien. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Un livre qui traite du TOEFL. C'est quoi le TOEFL? C'est un examen d'anglais. Ok. Durant l'été de la deuxième année de lycée, ta famille a décidé de déplacer les bureaux à l'usine, de l'usine en ville. Évidemment, tu déménages en même temps. 5 années ont passé. La distance entre Grace et toi se réduit enfin. Ça prend 3 heures pour se rendre en ville. Ce n'est pas une distance insurmontable. Cependant, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. En effet. Et qu'est-ce qui nous empêche de nous revoir? Sérieusement, comment décrire la relation avec Grace? Est-ce qu'on est juste amis? Probablement pas. Pourquoi déjà fini? On n'est pas un couple non plus. C'est ce qu'on arrive. Putain. Angoisse. Petite amie. J'essaie de cliquer sur tout, mais... Il faut que j'enlève toutes les... Oh putain. C'était violent. Stan, réveille-toi. On arrive bientôt. La voix de ton père interrompt tes pensées. Inconscient. Il y avait plus de bâtiments à l'extérieur.
Oh, ça, elle voyait ça de sa fenêtre. Te voilà arrivé dans la ville de Grace. Je lui donne rendez-vous maintenant. Il y a ce parc d'attractions célèbre. Un rendez-vous dans ce parc pourrait être une bonne idée. Ça fait quelques jours que tu es ici et tu trouves cette ville ridiculement grande. Ça prend 3 heures pour se rendre en ville. Cependant, ça prend environ 2 heures pour se rendre chez Grace. Tu as finalement allé au parc d'attractions durant les derniers jours de vacances d'été. Tu as toujours des sujets de conversation par message ou quand tu l'appelles. Mais tu n'en as trouvé aucun quand tu t'es retrouvé face à elle. C'était triste et embarrassant. Vous avez marché l'un à côté de l'autre, restant à distance comme s'il y avait quelqu'un entre vous. La dernière fois que tu as vu Grace, c'était il y a 5 ans. Tu ne savais pas comment gérer ta relation avec elle. Elle était peut-être embêtée par la même chose. Le soleil se couchait lentement, alors que ton cerveau se débattait avec ses problèmes. Tu devrais bientôt rentrer tous les deux. On fait la grande roue avant de partir? D'accord. J'ai décidé de ne rien te dire cette fois. Je vais en rester là, comment ça? Je pars dans une école de musique dans les prochains jours, mais elle est sérieuse? Même dans cette petite boîte, sa voix était si claire. J'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose sur quoi cliquer. En même temps, ça me va très bien la réponse qui dit. Mais ce timing est incroyable, quoi. Attends un peu. Tu sais très bien que c'était son rêve, tu n'as tout simplement pas réussi à lui dire que tu ne la laisserais pas partir. Tout ce que tu pouvais faire, c'était de délicatement poser tes mains sur les siennes, et elle ne résistait pas à ça. Tu as laissé le temps filer en silence, ainsi tu as passé les derniers instants sans dire un mot. Quelques jours plus tard, Grace embarquait pour un vol à l'étranger. Malgré ce que Grace et toi avez traversé, vous restez tout de même en contact, par internet, par téléphone. Pardon. Cette fois, il n'y a pas que la distance qui s'interpose entre vous, mais il y a aussi le temps. Il y a les décalages horaires, peut-être même. Il est quelle heure là-bas? Il est 22h. Est-ce que ton diplôme de microprocesseur est amusant? On a un concours appelé création de technologie numérique. Est-ce que tu trouves ça amusant? Pas vraiment. Numérique est probablement l'opposé d'amusant pour moi. Ouais, je ne trouve pas ça amusant non plus. Mais j'ai récemment découvert que je pouvais créer mon propre processeur par la suite. Et ça, ce sera vraiment cool. Je ne comprends pas très bien tout ce que tu me dis, mais je pense que tu devrais t'y consacrer. Oui, c'est ce que je vais faire. Il y a quelques personnes ici qui écoutent l'émission de radio Love Q. J'ai rejoint le fan club, il y a pas mal de monde. Évidemment, ils sont fans, ils ont des fans partout à travers le monde. Ce serait génial si tu pouvais nous rejoindre. Tu es occupé? Oui,
Encore un autre concert à venir à l'école. Si doucement. C'est comme si tu jouais du piano avec moi. Tu verras, tout se dira bien. D'accord. Une minute. Je jouais du piano avec toi il y a plus de 10 ans. Tu ne crois pas que j'ai fait des progrès depuis? Alors tu ne saurais pas à quel point tu as travaillé. Alors tu ne sais pas à quel point tu as travaillé et progressé durant toutes ces années? Je pense que tout ira bien si tu montres le résultat de toutes ces années de travail. Voilà qui est bien parlé. Merci, je me sens mieux maintenant. J'écoute toujours Love Q, oui. Mais ça me fait bizarre de l'écouter depuis que l'émission n'est plus désintéressée. Ça ne fait aucune différence pour moi, de toute façon, je ne peux pas écouter la radio ici. On l'écoutera ensemble la prochaine fois. Ensemble? Comment? En téléchargeant l'émission et en cliquant sur lecture en même temps. Petit génie. Ça, je l'ai tellement fait. Avec quelqu'un, on regardait des animés comme ça. Avant que Téléparties existe. Et on se chargeait. En plus, à l'époque, il fallait charger la vidéo. On n'avait pas la fibre ni rien. Et on cliquait sur play en même temps. C'était trop bien. Genre vraiment. C'est le seul moyen. Mais oui, à peu près dans les mêmes années, hein, du coup. Ok, c'est tout pour son côté à lui. La Corée du Nord vient d'ouvrir le feu sur la Corée du Sud. Oui. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois concerné par ce genre de choses. C'est du sérieux. Ils disent qu'ils sont prêts à utiliser des armes nucléaires. Ce qui doit arriver, arrivera. On ne peut rien y changer. Oh, c'est trop chill. Je préfère me concentrer sur ce que je peux changer, comme mon diplôme. Ta maîtrise, oui. Je dois avoir un diplôme plus élevé si je veux faire davantage de recherches sur les microprocesseurs. Courage, monsieur l'ingénieur. Tu peux le faire. Et ça, c'est vraiment triste et joli à la fois. Et chill, ça m'endort de fou. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup le jeu. Il est presque 9h du matin ici. Tu ne vas pas t'exercer au piano aujourd'hui? C'est Thanksgiving aujourd'hui. Tout le monde se repose ici. Ah, je vois. Il se fait tard ici. Bonne nuit. Bonne nuit. Aang est dans le Time Magazine. Meilleure vente de livres, double champion de course sur piste et de rallye. Il est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai lu tous les livres de Aang depuis que tu m'as fait découvrir Triple D'Or. En fait, je n'ai lu aucun livre de Aang depuis Triple D'Or. Je ne savais pas. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça, ça rend nostalgique de fou. Bonjour, tu vas avoir le professeur aujourd'hui? Oui, j'espère que je lui ferai bonne impression, parce que je vais travailler avec lui pendant 3 ans. Bonne chance, merci. Oh, c'est le piano qu'il lui avait acheté. Love Q est de retour à la radio, ça fait 2 ans, ça fait du bien de l'entendre à nouveau. Un jour, fan toujours. Un jour, fan toujours. Il y a un concert public et j'ai une partie à jouer en solo. Génial! T'inquiète pas, tu peux facilement gérer ça. Tu es la meilleure de ton école, pas vrai? Reste confiante. Si tu arrives à franchir cette étape, tu seras une vraie pianiste. Tu as raison, j'y suis presque. Oui, j'y suis presque. Les manifestations s'intensifient encore, tout va bien? Les gens de ce pays ne se plaignent pas, alors tout ira bien si tu restes chez toi. N'y prends pas part. Tu as dit exactement la même chose que ma mère. Et je suis sérieuse. Ne te mets pas en colère. Je ne suis pas en colère. Entre le temps et la distance, vos vies se sont progressivement éloignées. Quatre années se sont écoulées et Grace et toi êtes sur le point d'avoir vos diplômes. Dans longtemps, il y a eu quelque chose entre vous, même si vous ne l'aviez jamais mentionné. Certains problèmes sont toujours présents, même si vous n'en parlez jamais.
Et puis c'est finalement arrivé. Je souhaite rester ici et rejoindre l'orchestre après mes études. Je ne rentrerai peut-être pas. Je sais jouer la musique que tu m'as enseignée maintenant. Je voulais t'en faire la surprise quand tu serais revenu. Mais ça n'arrivera pas, c'est ça. Merde, je vais cliquer sur « Je te laisse ». Je sais pas où cliquer là. Je sais pas s'il faut juste attendre comme tout à l'heure. Parce que si je lui dis je te laisse là, je sens que... Bon, attendez. Le parc d'attraction sera détruit l'année prochaine. Il y a un nouvel hôpital. Il y aura un nouvel hôpital à la place. Est-ce que j'aurai encore une chance de montrer, de monter sur la grande roue avec toi? J'ai encore le jouet en forme de piano que tu m'as donné. Tu n'en as plus besoin, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent. Mais est-ce que c'est vraiment la fin de notre relation? Putain, c'est si triste. Tu écoutes encore Love Q? On avait dit qu'on serait toujours fan, tu te souviens? T'as parlé plus du tout, Valette. Peut-être que les autres pays ont un effet sur toi. Mais tes racines sont ici. Ta famille est ici. Tu vas leur manquer. Bah, il l'a fait pleurer du coup. Tu veux abandonner? Comme ça? Reviens, j'ai besoin de toi à mes côtés. J'ai vraiment envie de rester ici et de travailler dur pour que mon rêve se réalise. Et tu me manques tellement. Je crois que je ne pourrai pas. Je reviendrai après avoir obtenu mon diplôme. C'est horrible. Non. Il faut qu'il réalise son rêve. Quelques mois plus tard, Chris a tenu sa promesse et est revenu. Tu commences à travailler dans l'usine de ton père. Tu n'as pas oublié ton rêve de créer tes propres puces. Mais c'est vraiment difficile à réaliser. Chris est devenu professeur de piano à l'école de musique. Tout semble aller pour le mieux. Et pourtant, tu n'as jamais vu l'éclat dans ses yeux. Tu n'as jamais vu l'éclat des yeux de Grace lorsqu'elle parlait de piano. Bah oui, Bichette. Tu sais vraiment de réparer. Mais contrairement aux machines, certaines choses ne peuvent pas être réparées. Donc on a eu le succès si loin et pourtant si proche. On va faire la dernière, celle-là était très longue pour le coup. Je suis rentré... Oula. So late today, just take a shower and we'll prepare your meal. Apparemment, il dort. Il est arrivé. Il est arrivé tard, oui, voilà. Il doit prendre une douche et préparer à manger. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai rien compris. Ça fait 3 ans que nous sommes mariés. Ok, il faut te faire des lignes de 3. Oh putain, je suis nul à ça.
Je suis parti là, on m'arrête plus. Je sais pas si y a un score à faire ou pas. Ok. Le téléphone de son mari sonne. Comment ça, le téléphone de son mari sonne? On est avec quelqu'un qui est marié? Ben, on va pas décrocher. Enfin, c'est pas notre téléphone, quoi. Vas-y, ils font dangereusement. Ok, je l'ai éteint. C'est Marie qui appelle. Merde. Appel manqué, bah oui, du coup. Vas-y, envoie. Mais attendez, j'ai pas eu le temps de lire. Tu sais où sont les contentiges? Mais qui c'est qui me parle? Je comprends rien, cette histoire. Je te les apporte. Vas-y, on lui demande, parce que moi, je comprends rien. C'est ma cliente. Et donc il y a une certaine Marie qui a appelé notre mec, de ce que j'ai compris. Quelques jours ont passé, elle n'a rien remarqué d'inhabituel chez son mari après ça. Elle ne lui a pas parlé du message, mais elle a toujours le sentiment qu'il cache quelque chose. Il travaille même le week-end. Elle a décidé de voir si elle pouvait trouver quelque chose dans la maison. Ok, est-ce qu'on va mener l'enquête? C'est quoi ce col-là? Il ne cuisine pas très souvent. Il n'y a que des fruits et des boissons dans le réfrigérateur. Depuis quand a-t-on cette assiette? 584, qu'est-ce que ça signifie? Ouvrons le congélateur. Papa? Ok. Ok, on fouille partout, là. Des photos de notre voyage de noces. Ça fait presque 3 ans que nous sommes pas partis en vacances. Elle soupira lentement. Ok, fouillons dans le canapé. Ma marque de canapé préférée, mais ils sont tous déchirés à cause de notre chat Belly. Je refusais de garder un chat qui détruisait le canapé, mais j'avais tort. Qui se soucie du canapé quand on a un chat? Se dit-elle. On peut pas fouiller dans le canapé? Bah, apparemment non. Ok. C'est quoi? Ben, je sais pas quoi faire par le canapé là. Ok, il a beaucoup joué avec cette étrange boîte dès qu'on avait un moment ces derniers temps. Ça n'a pas l'air d'être un chiffre, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est 584. Il nous manque des chiffres. Je n'ai pas besoin d'aller travailler aujourd'hui, je cuisinerai dans la soirée. Blablabla, gnagnagna. Ah, le carton. Tellement de cartons, je crois qu'il a acheté bien plus de choses que moi récemment, je devrais vérifier ça. Qu'est-ce que c'est que cette clé? Il y a aussi des guirlandes et plein d'autres choses, il me cache bien quelque chose. Un spécial, ok. Déjà fouillé du coup. Ok, on peut visiter les autres pièces. Le chat. Belly dort encore une fois sur notre lit. Elle est tellement mignon. J'ai déjà dit 1 million de fois de ne pas laisser traîner ce linge sale. Ok. Un jeu de rouge à lèvres, il me l'a acheté après que nous soyons mariés, mais j'ai perdu mon préféré pendant notre voyage de noces. Je n'ai pas besoin d'aller dans la salle de bain pour le moment, ok. On dirait bien que j'étais plus mince avant de me marier. Ne le dites pas à celui qui est à côté de moi, mais il est bien plus gros qu'il ne l'était. Elle touche à son ventre inconsciemment. Ok. Ok, on fouille. Il y a une jupe de marque dans le sac, je ne me souviens pas de l'avoir achetée. Aïe, aïe, aïe.
C'est tout, je peux pas cliquer sur autre chose. Une corbeille. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'utile là-dedans, enfin je crois. Ouais, d'accord. Il y a une boîte étrange dans le tiroir. C'est verrouillé. 201. Ah bah là, oui. Les vêtements sont secs, je vais aller les ranger, ok. Je vais l'arroser quand même. Je n'ai pas encore fait la lessive aujourd'hui. Les vêtements sales, ça ne sent vraiment pas bon. Je peux pas les laver? Ah si. Il y a quelque chose de collé à la machine. Ouf. Il a retiré une petite carte qui était restée collée. Ah, 314. Alors 584, c'était 201. Et attends. C'est ça. Attends, c'est exactement ça. Les formes et tout, ça doit être ça. Let's go. Qu'est-ce que c'est que ça? Je prends rien. Alors là, je quitte ce truc. Laisse-moi partir, en fait. C'est la clé de quoi, ça? Je sais pas. Alors, laisse-moi partir, s'il vous plaît. Putain, comment on fait ce truc? J'en peux pas. Meuble bien. Mais je sais pas quoi faire avec ça. Désolé, hein, mais j'étais bloqué là. Oui, il y a une recherche. Oh, ça va me mener. Quelque chose va me passer. Ah oui, d'accord. On va vraiment tout se retaper là. Putain, chier. Elle nous a bloqué. Il n'est pas tenu d'aller dire encore. Il avait promis de s'en occuper avant de rapporter le chat, mais évidemment, c'est à moi de m'en occuper. Voilà. De quel se tient de la litière. Ok. J'avais pas vu tout à l'heure. Litière, pourquoi une pescate blanche? Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Il n'est pas dépensier, mais il achète beaucoup de jeux vidéo. Mais j'imagine que c'est un bon loisir de nos jours. De quel se tient en regardant les consoles? Les photos machin. Ok. Tire propre. Du coup, on récupère l'assiette. Oui, hop, hop, hop. Oui. Dans l'assiette. Comment je peux quitter? Hop. On critique pas les jeux, madame, tu es. Exactement. Une
jupe qu'elle se rappelle pas avoir acheté, ok. La corbeille, on sait pas ce que si. Est-ce que je peux utiliser la petite clé que j'ai? J'ai pas de clé, ok. Les fringues sales, on prend. Il n'y a pas besoin d'aller sur ça là-bas, ok. Ramasser, je vais refaire du coup. Parce que là on était complètement bloqué. Ok. Ok, on s'en va. Ok, c'est rangé. Mais j'ai pas la clé là, j'avais la clé tout à l'heure. Je sais pas où j'ai récupéré la clé, putain. Le canapé peut-être. Je sais pas où j'ai récupéré la clé. Ça c'est du 580. 84. Ensuite, c'était 201. Et. Non, putain, non, vraiment. Ah, c'est bon. 314. Mais je me retrouve la même merde en fait. Je peux pas quitter ça non plus. Mais je suis désolé, mais je veux voir une solution parce que je sais vraiment pas quoi faire avec ça. Désolé, vous avez plus le son, c'est normal. Hop. Bon, en plus, vous avez une pub. Parce que là, je comprends pas, en fait. Gnagnagna, ouvrez le frigo, ok. Interagissez avec la pile, le carton. Ah, oui, bah je peux du coup. Faites glisser les éléments en direction de la pointe de la flèche. Ça bouge aussi, ça? Putain, j'avais pas vu que ça bougeait aussi. Je comprends pas pourquoi par contre fallait faire ça. Mais tranquille. C'est quoi, c'est un double fond, c'est quoi? Joyeux anniversaire, place du cadeau ici. Joyeux anniversaire, alors ça alors me cacher. Je ferais bien de tout remettre comme avant. Comme c'était qu'ils ne reviennent. Ok. Non, j'ai pas eu la clé. Quelques jours plus tard, il fait si noir et la lumière ne fonctionne pas. Je savais que c'était aujourd'hui. Hahaha. Putain, y a pas les cartons. On s'est fait niquer. Dans la buanderie du coup. Il fait vraiment noir ici. Le mot sur le papier sont à peine lisibles avec cette lumière tamisée. Il est écrit connecte deux cœurs avec le stylo magique ton mari. C'est quoi ce crayon magique? Le stylo magique.
Ok, je crois que je devrais garder ça pour la fin. Ah, ok. Ben, du coup... Ok. Maman, I love you. Les canettes. Il écrit, ma chérie, mange d'abord ton cheesecake préféré pour ne pas mourir de faim, ton mari. Il est écrit en petit en dessous, n'oublie pas d'emporter l'indice. Oui, c'est ma marque de cheesecake préférée. Le drapeau me semble familier. Ok, c'est la clé du coup. Délicieux comme toujours. La clé, je vois. Ok, du coup je pense qu'on s'est trompé. Hein. Et je pense qu'il ne trompait pas du coup. Ok. Je parie qu'elle ne se sera pas vite cette fois. Voilà ce qu'elle se dit en ouvrant le tiroir. Avec la clé, on a pu ouvrir ça, ok. Un crayon ? Oui, on a le crayon. Message dit, ma chérie, emporte ce stylo magique avec toi. Il fait vraiment noir ici. Les mots sur le papier sont à peine lisibles avec cette lumière tamisée. Il est écrit « Connecte deux cœurs avec le stylo magique, ton mari. Ça doit être le crayon magique. » Je suppose qu'il faut que je connecte ces deux cœurs. Ben... Oh ! Que la lumière soit. Elle n'a pas pu s'empêcher. Ouais, c'est trop bien. C'est notre mari qui a fait ça pour nous. C'est notre cadeau, ça. Ce collier. Un cadeau pour moi. Un collier, un pendentif semble être gravé, mais c'est trop petit pour être lisible. Ok. Je veux le même mari. Celui qu'on soupçonnait il y a 5 minutes de nous tromper. Hein. Ok. On se souvient du code, donc ça va. Putain, c'est 500. Je vais galérer, je sais pas combien de temps. 584. C'était 201. Et... C'était 314, je crois. Voilà. De la remise des diplômes. Nous avons assemblé nos meubles nous-mêmes quand nous nous sommes installés, afin de faire des économies. Notre première sortie de pêche, tu avais dit que nous aurions de quoi manger gratuitement, mais nous n'avons rien pêché. J'aime beaucoup cette photo, elle a été prise quand nous partions en randonnée au week-end. Nous sommes allés dans un restaurant luxueux pour notre dernier anniversaire, j'ai été choquée lorsque j'ai vu la note. Nous sommes allés faire du ski ensemble, je n'avais pas froid, en étant à ses côtés. Ouais, du coup, ça fait plus de sens. Il adore les jeux vidéo, ça nous arrive parfois de jouer ensemble. La première fois que j'ai fait la cuisine. Mais je cuisine bien maintenant. Le jour où nous avons ramené Belly. Elle était si petite à cette époque. La première de Sherlock Holmes 4, j'adore beaucoup ce film. J'ai fini Avatar en fait, et j'ai commencé Ghost of Tsushima. Ah, alors t'en as pensé quoi d'Avatar et de Ghost? Une photo de mariage, j'avais peur de ne pas être belle dessus. Un ciel étoilé durant un voyage, quelle merveille, quel endroit merveilleux. Joyeux anniversaire, place le cadeau ici. Mais il n'y a rien. Et voilà. Je suppose que je dois y placer le cadeau. Mais quoi? Wow.
Happy anniversaire. Il s'est enfin montré. Ses yeux étaient déjà remplis de larmes de joie. Il les essuya. Ils s'embrassèrent. Oui, Ghost of Tsushima est magnifique. Oui, la musique. Non, Avatar est vraiment bien. Pour le coup, vraiment, il est bien. Sous la lumière tamisée, pardon, ils savourèrent le délicieux repas qu'ils avaient préparé un peu plus tôt. Je suis probablement la personne la plus chanceuse au monde, se dit-elle tout en mangeant. Si seulement je n'avais rien su de tout ça. Je veux lui faire confiance, il doit y avoir un meilleur choix à faire. Bon ben raccroche alors. Qu'est-ce que je te dis, lâche. Je sais plus quoi faire avec son téléphone là. Mais je peux pas. Je peux ni raccrocher ni décrocher. Je peux pas quitter. What the fuck? La solution. Sur le bord droit. Ah là, putain. Excusez-moi. Oui. C'est plutôt nice, en vrai. Il manque des trucs. Mais je pense que je les ferai de mon côté comme ça. Si vous avez envie de jouer au jeu, bah vous pourrez aussi avoir des petites choses, je pense, à découvrir. Franchement, j'ai adoré. C'était trop bien. Vraiment. Les petits jeux comme ça, j'aime bien. Ces petites pépites. Sur ce, je vais vous laisser, moi. Ça fait pas un très très long stream, mais... Mais bon, comme il est tard et tout, en vrai, déjà pas mal. Hein. Et ouais, désolé, du coup, ça coupe la musique. Ça dépend des jeux, mais là... Mais pas de soucis, Pika, si t'as besoin de parler, n'hésite pas, hein, mes DM sont ouverts, donc surtout n'hésite pas. Mais en tout cas, j'ai adoré ce jeu, franchement, c'était vraiment pépite. Il y a un peu un jeu dans le même genre aussi... qui est beaucoup plus simple par contre, et c'est juste une histoire, et là pour le coup vous en avez pour une demi-heure. Ça s'appelle Florence. C'est vraiment très très sympa. C'est plus simple, c'est plus une histoire qu'on suit interactive avec des tout petits mini-jeux, des trucs comme ça, mais c'est très voilà, et c'est tout mignon aussi, et c'est un message très très sympa. Même là les messages sont assez sympas, en vrai j'aime bien aussi, parce que même la mauvaise fin qu'on a eue au tout début avec celle-ci, la fin était incroyable parce que elle le quitte et en même temps elle lui dit merci parce que ce qu'elle a vécu l'a fait grandir et progresser, et je trouve ça génial en fait de pas présenter une rupture comme une comme quelque chose de forcément négatif. En fait ça peut aussi ne pas être forcément ni positif ni négatif, être juste une évolution, quelque chose comme ça. Et je trouve ça plutôt nice pour le coup. Surtout qu'elle est reconnaissante de ce qu'il lui a apporté, etc. Après, voilà, on a eu une autre fin où ça finit bien. Et donc, c'est vraiment pas mal en fait. Et la relation à distance aussi, elle se finit assez mal, mine de rien. Pour le coup, c'est l'histoire
qui se termine le plus mal. Parce que bah elle renonce à ses rêves. Lui aussi. Et au final, ils sont ensemble, mais ils sont malheureux. Donc, c'est pas ouf comme fin qu'on a eue. Et l'amour détective, ah là, c'est étrange. J'ai hâte de voir l'autre fin que je peux avoir. Parce qu'à la fois, le mari est complètement adorable et en même temps, elle a des doutes sur sa fidélité. Donc, c'est intéressant aussi. C'était ça, ça m'a fait être une femme et devenir quelqu'un, mais c'est ça en fait. Et je trouve ça vachement bien parce que toutes les relations qu'on a dans notre vie, je parle pas forcément que des relations amoureuses, je parle toutes les relations, que ce soit de l'amitié, tout ça, tout te fait évoluer et aller quelque part, même les relations négatives en fait, t'apportent quelque chose et te font évoluer, grandir et tout, même si c'est pas facile sur le moment, même si on traverse de la merde et tout. Il faut quand même prendre ça comme une expérience et ça te permettra de justement pas refaire les mêmes erreurs, pas refaire confiance à ce genre de personnes quand ça s'est mal passé, etc. Mais du coup, toute relation est importante en fait. Mais franchement, j'ai adoré le jeu. Je savais que j'allais bien aimer hein, parce que c'est totalement entre guillemets mon genre de jeu, un petit peu point and click, des choix à faire et tout. J'aime beaucoup. Il y a un jeu aussi que j'avais adoré, mais j'ai pas fait en stream, tu vois. Ça s'appelle... comment ? Attendez, je vais aller voir sur Steam, parce que j'ai un doute. C'était Prince quelque chose. Celui-là, par contre, est beaucoup plus sombre. Milky Way Prince, The Vampire Star. Celui-là, c'est un jeu, pareil, où on fait des choix et tout, tout au long de l'aventure. Et c'est assez intéressant. Parce que c'est une relation gay. En fait, on rencontre quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide. On l'aide. Et on essaie de vivre cette relation. Mais c'est une relation un peu toxique, un peu très bizarre. Et du coup, on avance un peu comme ça dans l'histoire, un peu à tâtons. Et à peu près au milieu du jeu, vous avez la même histoire, mais vécue par l'autre personne, en fait. Et on découvre que l'autre personne a des soucis mentaux. Et que du coup... ce que nous on a vécu, par exemple quand on lui envoyait des textos je t'aime, tout va bien, la personne recevait les textos avec des mots qui manquaient, genre ou qui changeaient carrément, genre je te déteste, t'as un problème dans ma vie, c'est toi mon problème, alors que l'autre par exemple lui disait c'est pas toi le problème, qu'il essayait de le rassurer, que du coup l'autre avait des problèmes en toi et du coup on découvre l'envers du décor, que lui ne recevait pas du tout ça comme message. Et du coup, c'était hyper intéressant comme jeu. Et ça montrait des relations qui, même si des fois on s'aime très fort, c'est full toxique. Et ça va pas pour autant, même si on essaie des fois de sauver les personnes, ça ne fonctionne pas. Mais c'était hyper intéressant, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus sombre, on va dire. Mais pour le coup, ça reste intéressant, ce genre de jeu, j'aime bien. Voilà. Mais ouais, j'ai mes pieds. Et ben nous, on va se retrouver la prochaine fois pour de la lecture chuchotée. Ce sera dimanche soir, ce sera Harry Potter et les Reliques de la Mort. Là, on est rendu où ? On est rendu à Dobby est décédé, c'était très dur, putain. J'ai chouiné là, c'était horrible. Et du coup, on partait à... Je crois qu'on a établi un plan pour aller cambrioler Gringotts. Donc on va faire ça la prochaine fois, je crois. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Et puis la semaine prochaine, je vais voir. Soit je retrouve une pépite comme ça. La semaine prochaine, je fais les mêmes horaires. Je finis vers 22h aussi, donc c'est un peu la merde pour moi. Du coup, je pense que je streamerai aussi à 23h30. Donc soit je reprends mes let's play de Ice Attorney et Another Code. Tant pis, il y aura personne, mais je continue, soit j'essaierai de trouver d'autres pépites. Mais on verra bien. On verra quand on y sera. Je vous tiens au courant sur le Discord de toute façon. Je vous fais des bisous. Et prenez soin de vous. Bye bye.